Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, J'ai euh, commandé un truc pour euh, mon atelier de dimanche à Bourron-Marlotte euh, que, que, que j'avais vu sur euh, un atelier que j'avais fait euh, à Nantes. Euh, ce sont les 78 tirages d'Emmanuel hein, <laughs> Igé et euh, je trouve ça sympa moi qui suis tout le temps en train de faire euh, des tirages très intuitifs très sans réfléchir et tout ça et c'est ma patte c'est moi hein. euh, mais là je me suis dit tiens et tout pour les ateliers ça peut faire euh, euh, kiffer pas mal les gens euh, donc je l'ai acheté et là m'est venue l'idée je me suis dit tiens je vais battre les cartes pour euh, la communauté et, euh, voilà les gens qui euh, vous d'accord qui me regardaient et puis je vais faire un tirage qu'elle propose dans ses 78 tirages. Et c'est tombé sur une thématique qui me fait bien marrer. <laughs> Parce que moi, j'arrête pas de dire que je fais pas de divinatoire et que euh, la temporalité, c'est pas trop mon truc. Je trouve que c'est très touchy la temporalité au niveau de, 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 de la cartomancie et de la médiumnité de manière générale. Mais là, bon, c'est pas un truc de temporalité forcément, mais c'est combien de Mmh. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Alors, je vais vous dire ce qu'on va aller regarder là-dedans. Il va y avoir ce que représente. Alors, vous allez penser à un objectif. OK Parce que c'est là-dessus que ça travaille. Peu importe l'objectif, que ce soit euh, d'ordre matériel, financier, euh, amoureux, faire des enfants, j'en sais rien. Bah, vous pensez à votre objectif. Objectif égale attente, hein, égale potentiellement frustration. Vous savez psychologiquement tout ce que je pense de tout ça. Mais nous ne sommes pas des maîtres Bouddha et nous sommes tous faits d'objectifs, d'attentes, de quêtes, machin. Malheureusement, c'est comme ça. Euh, donc, ça fait partie de la vie. Donc, pensez à un truc qui vous fait envie, un objectif, ok Et on va aller regarder ce que représente votre objectif, où il en est dans sa réalisation. Obstacle à lever pour le réaliser. Signe qu'il se réaliserait bientôt. Signe qu'il pourrait être retardé. Ensuite, il y aura trois cartes pour issues à court, moyen et long terme. Et conseil pour aller plus vite pour les impatients. <laughs> j'ai tellement pas l'habitude de tirer les cartes comme ça. Il faut se challenger. Surtout avec la coupe de douille que j'ai aujourd'hui. Parce que mon anglaise a décidé de se mettre dans le sens qu'elle voulait. Alors on va pas la contrarier. Elle a envie que je ressemble un petit peu à je sais pas quoi d'ailleurs. Trêve de plaisanterie, vous savez comment je fonctionne. J'ai quand même un petit peu besoin de rigoler. Euh... Sachons quand même que je fais en sens privé des choses qui sont quand même très intenses. Là, on est pour du général. Euh, et puis, vous savez qu'avec vous, j'aime bien aussi un peu rigoler. Donc, je vais demander est-ce que c'est bon Ouais, il ne manquerait plus qu'ils me disent non. J'aurais l'air un peu fin quand même. Alors, pensez à votre objectif, les amis. Je ne vais pas faire plusieurs tas, hein, parce, que, euh, euh, parce que non, parce que ce, ça serait euh, très très long. Et, euh, et je me sens de faire un tirage. Et je vais prendre un tarot, hein, parce qu'on va rester dans la vibe du tarot. Et alors lequel je prends, je vais prendre mon Rider Weight. Celui que je conseille à toutes les personnes qui veulent débuter avec le tarot sans passer forcément par le tarot de Marseille, puisque vos arcanes mineurs sont illustrées. Ok. J'ai vraiment très envie aussi de vous faire une, euh, une formation euh, de la même manière que j'ai fait celle du tarot, euh, mais euh, cartomancie générale. Chou Pardon, c'est les pollens. <laughs> Euh, Cartomancie générale, que ce soit avec un jeu de cette famille ou n'importe quoi d'ailleurs, hein. et je vous montrer qu'en fait on peut tout lire et que tout le monde peut le faire avec plus ou moins d'aptitude et d'aisance, c'est sûr, hein. on n'est pas tous pianistes, pas de pianistes au même niveau, mais tout le monde peut le faire et puis vous pouvez vous surprendre, hein. que ce soit tarot ou oracle. Hein. Ok, on y va, pensez à votre objectif, j'arrête de parler. Enfin, pas trop quand même, sinon vous n'allez pas comprendre grand chose. Ce que représente votre objectif. C'est parti. On a la 4 de bâton. Qu'est-ce que ça me raconte Ce que représente votre objectif. C'est quand même un truc dans lequel vous avez terriblement envie de vous engager. Alors, que vous ayez peur de l'engagement ou pas, peu importe le projet. C'est quelque chose qui... Euh Selon vous, vous apporterait beaucoup de bonheur, d'accord Un sentiment de réussite, un sentiment d'accomplissement. C'est quelque chose que vous n'envisagez pas forcément de faire seul euh, avec ce. En tous les cas, c'est stable. C'est une envie qui est là et qui est là euh, sans doute depuis un moment. Que vous avez envie de voir se solidifier, c'est quelque chose que vous voulez. Vous avez envie de vous engager pleinement là-dedans parce que ça, ça vous rassure, hein, que ce soit euh, professionnel ou sentimental. Il y a quelque chose dans lequel vous pensez qu'il y a un potentiel d'épanouissement qui est fort. D'accord. C'est vraiment quelque chose pour lequel euh, vous vous réjouissez à l'avance. Qu'est-ce que ça représente pour vous euh, comme un accomplissement d'une certaine manière? Euh, ou en tous les cas une participation à un, un... oui pour qu'on ait envie de s'engager en... quelque part, c'est que vraiment euh... ça représente, ça fait beaucoup de sens pour vous. C'est. C'est à la fois vos souhaits, vos envies, euh... quelque chose que vous ressentez, quelque chose qui vous stabilise. Quelque chose qui euh, vous met en joie. Il y a beaucoup de joie. Ok Il y a beaucoup de joie, de réussite et de gaieté dans cette... Euh, euh... En fait, c'est comme si ça représentait pour vous un Graal. Le côté... Euh, putain, si je passe par là, si j'arrive à faire ça... Euh, je m'auto... Je m'auto... Congrats, quoi. Je m'auto... Merde, à chaque fois, j'ai des problèmes avec les mots en anglais-français. Euh... Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Je m'auto-congratule. Euh, je, je suis super contente de moi, en fait. Ouais, tu vois, il y a un truc du genre, euh, si je fais ça, je me valide. Je suis bon, je suis bonne. Euh, ah, j'y suis, je suis vraiment dans un truc que j'ai senti depuis longtemps et tout. Donc, c'est, voilà, on est dans une notion comme ça. Ça représente un vrai engagement de votre part un endroit où vous avez envie d'aller, quelque chose que vous avez envie de concrétiser et qui, vous, qui vraiment vous permettrait de vous sentir bien, en vous, et heureux, heureuse. Ok Alors, où en est cet objectif dans sa réalisation Pourquoi j'ai envie de me marrer à chaque fois <laughs> Soyons sérieux. Où en est cet objectif dans, cette réalisation, dans la réalisation Ok. Où en est-il Bon. Il était important de se marrer un petit peu. Ok. Il y a deux cartes qui sont tombées. On va les regarder. La première, gardez beaucoup d'humour, hein? ok C'est important. Parce que dans la vie, il y a toujours des moments où on morfle un petit peu. C'est normal. Il n'y a rien de linéaire. Il y a des moments bien, il y a des moments moins bien. Au niveau de la réalisation de votre projet, j'ai le 3 d'épée. Ça veut dire que potentiellement, on n'est pas tout à fait à la réalisation de l'objectif. Excusez-moi, c'est vraiment nerveux. <laughs> Mais, ah, oh, faut rigoler un petit peu. Euh, il se peut que vous n'y croyez pas, en fait, à cet objectif. Il se peut que vous n'y croyez pas, parce qu'en plus, il y a le cadre de coupe qui montre que, d'une certaine manière, est-ce que, est -ce que, pour vous, c'est le moment Parce que, le cadre de coupe, il ne prend pas. Enfin, c'est quelque chose. Il ne prend pas la coupe. Il n'est pas en mesure de la prendre pour des raisons qui lui sont propres, pour des raisons qui vous sont propres sans doute, parce que vous n'avez peut-être pas fini de débroussailler cette blessure. Vous n'avez peut-être pas fini de penser cette peine. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir ici, ok, euh, émotionnel, puisque vous n'avez pas envie ici qu'on vienne vous rajouter une charge émotionnelle. Il y a, il y a déjà à faire. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas potentiellement vous engager pleinement euh, dans ce qui vous tient véritablement à cœur, dans votre but, votre objectif. Vous êtes pour le moment dans un stade de réalisation, allez sur une échelle de 1 à 5, nos milieux. Nos milieux, il y en a qui vont se décourager, mais je dirais que euh, ça peut aller vite. On va, on va voir d'abord. Je ne vais pas m'avancer hein, parce que j'ai des cartes qui vont parler. Il y a un tirage qui est fait pour ça. Mais dans des phases, enfin, d'un point de vue psychologique euh, global et général. Sur un parcours de 1 à 5, on est bien d'accord qu'entre l'échelle 1 et 2, puis 2 puis et 3, et tatati et tatata, ta, ta, nous n'avons pas forcément la même longueur de temps, d'accord Ou la même rapidité. C'est-à-dire que de, du point 1 au point 2, vous pouvez aller lentement, puis du point 2 au point 3, vous pouvez aller lentement, et puis tout à coup vous mettre à courir, puis ralentir. Il peut y avoir des sprints, des arrêts, des sprints, des arrêts. Peu importe. Ça, je veux dire, on n'est pas tous gaulés pareils, on n'a pas tous le même fonctionnement. Il y a des sprinteurs, il y a des marathoniens, il y a des fractionnés aussi, pour ceux qui connaissent la course à pied. Bon. Euh, et là, pour le moment, on n'en est pas là. On n'est pas encore euh, en train de réaliser son objectif. Qu'est-ce qu'on nous demande après Les obstacles à lever pour le réaliser. J'ai l'impression d'avoir déjà un petit peu répondu à la question. Mais on va voir. Ouais. Alors, pour certains, ici. Ouf. Alors, deux cartes. Deux cartes qui se répondent bien. Euh, alors, pensez à votre objectif à chaque fois que je parle. Hein. Il y a une problématique d'ego. Il y a clairement un fight égotique ici, où on veut absolument. Il y a peut-être trop de mental, peut-être trop de volonté, peut-être trop de contrôle, de je vais y arriver, je vais tous vous niquer. Enfin, il y a, il y a vraiment. Vous voyez là, j'ai utilisé un ton euh, qui était euh, quand même un petit peu euh, fort, ok Et ça, c'est pas très productif parce qu'il peut y avoir un truc de « j'y vais envers et contre tout »,« j'y vais en envers et je te marche dessus s'il le faut euh, ». Donc, euh, et si ce n'est pas votre cas, ça va être le côté « je mentalise énormément »,« je contrôle énormément la situation »,« j'ai envie de »,« je le veux », donc « je l'aurai ». Et ça, ça n'est pas nécessairement ce qu'il faut faire pour lever le blocage, pour atteindre cet objectif. Ce qu'on vous demande de lever, c'est cette problématique d'ego. Et ce qu'on vous demande aussi de lever pour réaliser cet objectif, c'est qu'il faut être en capacité d'être euh, quand même dans une forme de sensibilité. C'est-à-dire que, est-ce que vous vous connaissez dans votre sensibilité? Est-ce que vous arrivez à relâcher votre ego pour être un petit peu plus dans l'ouverture? Dans... Il y a vraiment une notion d'ouverture de cœur, parce que c'est un valet, il hein, ne faut pas non plus pousser mes mains dans les orties. On n'est pas avec un roi de coupe, on est avec un valet. Donc un valet, c'est gentillesse, c'est au, au début de la maturité émotionnelle. C'est-à-dire que là, on vous dit, il faut peut-être ouvrir un peu plus grand pour justement parer. À cet ego, à cette volonté qui est, euh, qui est débordante par rapport à l'ouverture du cœur qui, qui aimerait peut-être un peu plus s'exprimer. Donc un peu plus de douceur par rapport à cette volonté qui est omniprésente, visiblement. Ensuite, on nous dit quoi J'aime bien, je suis, hein, je suis. Hein, vous avez vu, je suis protocolaire. Hein. Je n'ai jamais été scolaire de ma vie, mais il <laughs> y a un moment pour tout. Euh, les signes. Qu'il se réaliserait bientôt. Est-ce qu'il y a des signes qui feraient que ça se réaliserait bientôt Alors, on vous le dit, euh, on va voir si ça suffit. Une carte, j'ai la reine de coupe. Ah, j'ai pas mis les, j'ai pas disposé les cartes. Euh, bon, on s'en fout, de toute manière, vous ne voyez pas le jeu. Je, 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 je réponds au fur et à mesure. Hein. Est-ce que c'est un signe que ça se réaliserait bientôt Moi, j'aurais envie de vous dire que de passer du valet à la reine, il vous faut passer par le cavalier. Donc, chaque chose en son temps. À un moment donné, ce que l'on veut vous dire aussi, c'est que la reine, elle a des excès et des manques, comme toutes les cartes. Donc, ça veut dire que euh, là où il va falloir être euh, vigilant, c'est d'être à la fois dans l'ouverture sans être dans le sacrifice, ok Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que la reine, elle a un petit peu tendance à se laisser un petit peu envahir par ses émotions et à porter un poids qui est trop lourd pour elle. Euh, porter les émotions des autres, porter le machin, toujours être au service de tout le monde et tout ça. Ça, c'est peut-être une, une notion qu'il vous faut euh, surveiller, avoir un petit peu plus de discernement vis-à-vis -vis de ça. Donc, est-ce que ça va se réaliser bientôt Moi, je dirais qu'en fonction des obstacles à lever et de l'objectif à atteindre et de, de, du gap qu'il y a entre ces deux-là et elle, euh, on n'est pas loin. On n'est pas loin, clairement. D'accord Si tu arrives à, à démystifier... Euh, ta volonté euh, que tu vois comme étant hyper importante pour toi pour t'en sortir, si tu arrives à faire place à un petit peu plus d'émotionnel sans partir dans le débordement, et c'est-à-dire que vraiment tu vas vers l'émotionnel gentiment, eh ben t'es tout prêt. T'es clairement, hein, t es, t es clairement à, à aller à une figure de la cour, hein, d'accord C'est le cavalier qui est entre les deux. Donc euh, franchement, c'est pas comme si tu partais... Euh, de 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 je sais pas combien de cartes avant je sais pas pourquoi ça me parle comme ça donc on va rester comme ça donc en fait on y est vraiment on est vraiment pas loin ok par contre on vous a dit quoi faire alors maintenant on va regarder le signe que ça pourrait être retardé deux cartes alors on a une reine encore une fois euh, une reine de, de deniers qui montre que ce qui pourrait retarder euh, votre but, le, votre objectif, c'est euh, votre peur de ne pas être secure euh, matériellement parlant. Il y a des gens qui ont encore besoin de sécuriser euh, le matériel le, euh, pour pouvoir se lancer et s'engager. Que ce soit émotionnellement ou dans un, dans un objectif, un but précis. Hein. Euh, donc, c'est ce qui pourrait retarder. C'est-à-dire que plus. Il euh, y en a qui ont trop peur. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont peur ici euh, de, de ne pas avoir assez, de ne pas être assez stable, de ne pas avoir de routine, de ne pas avoir de. Tu vois, des choses un peu comme ça. Ça, ça peut vous retarder parce que du coup, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Il y a vraiment des gens ici qui. Euh, ont des objectifs, ont des, des, des velléités de vouloir faire ceci, ceci, cela, mais sont, sont, sont contraints, se contraignent eux-mêmes dans leur zone routinière de confort parce que c'est rassurant. Il y a des peurs ici au niveau de stabilité financière. Pour d'autres, euh, d'aller vers l'émotionnel passe par la stabilisation de votre aspect financier. Ok? Et puis qu'est-ce qui pourrait retarder, c'est que il y a des gens ici euh, qui ont du mal à, euh, à alors tout ne dépend pas forcément que de vous, d'accord? Parce qu'il y a de la coopération. Ce n'est pas trois personnes forcément, mais il y a de la coopération. Donc tout ne dépend pas forcément que de vous, d'accord dans, dans, Pour pouvoir atteindre ce, ce, cet objectif. Et puis pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'il y a des gens qui ont du mal à coopérer aussi. Donc voyez dans quel endroit ça vous parle, ok 6, 7 et 8. Alors, issue à court, moyen et long terme. Alors, on va faire l'issue à court terme. Attends, je vais pousser les cartes. Issue à court terme. L'issue à court terme pour moi est, est, avec cette carte-là, c'est qu'on a encore besoin de prendre un petit temps de recul vis-à-vis -vis de soi-même. C'est comme si vous aviez besoin un petit peu de, de vous retrouver vous-même, d'accord Dans un cas comme dans l'autre, enfin je ne sais pas parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cas de figure ici. Mais on a vraiment besoin, il y a des gens qui apprennent à se connaître, à, à, à se ressentir. À, euh, C'est comme si on avait besoin de d'identifier euh, ses émotions, de prendre du recul par rapport à des émotions qui ont été trop fortes, des émotions qui qu'on qu a du mal à comprendre, ou des choses comme ça. On doit prendre du recul euh, pour euh, se retrouver soi-même. C'est vraiment ça l'issue à court terme, moyen terme. Oh oh, mais quelle jolie coupe! À moyen terme, il peut y avoir une vraie avancée qui va vous permettre euh, d'avoir l'élan euh, d'aller euh, euh, vers ce qui est hyper important pour vous. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, il y a avec, euh, avec, si vous voulez, le, le, le cavalier euh, de coupe. Il est très idéaliste, certes. Il, il sait ce qu'il qu aime. Il sait ce qu'il aime, c'est c'est Roméo. Enfin, je veux dire le, le, ce cavalier, il, il, est, il est il est il est dénué de, de blocage affectif, c'est-à-dire que il part à fleur au fusil. Enfin, c'est hyper cool et il y a une vraie euh, opportunité de communiquer les choses vraiment, sincèrement, honnêtement, le cœur ouvert. Donc à moyen terme, euh, quel que soit votre objectif, quel que soit votre 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 but là il y a vraiment moyen de pouvoir en parler euh, à cœur ouvert. Ok À long terme. <rire> <Putain>. <rire> ok. À long terme. À long terme, il y en a qui lâcheront l'affaire si ça ne se fait pas à moyen terme. C'est ce que je dirais. Euh, Excusez-moi, j'ai rigolé. Mais, parce que... Quant à ça, à moyen terme, tu as envie de dire qu'à long terme, c'est génial. Ce que ça nous montre ici, de ce que je ressens, c'est que euh, il va y avoir le cas de figure qui est que après cette période de, de calme, de. de. comment dire. D'introspection, de, 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 de prise de temps pour soi, pour guérir certaines choses, parce que visiblement il y a des choses à, à pacifier ici. Euh, juste après cette période-là, donc le moyen terme arrive, et il y, a une, il y a un potentiel, je parle bien de potentiel parce que là on est dans du divinatoire, et vous savez que le divinatoire, bon, il faut y aller avec euh, des pincettes. Il y a un potentiel d'expression de soi, vraiment très honnête, d'accord Il y a vraiment l'opportunité ici d'y aller de manière très ouverte, ok Et j'ai l'impression que passer ce moment de moyen terme, c'est comme si, si le potentiel il n'est pas pris à ce moment-là, il peut y avoir le sentiment d'avoir loupé le coche, de se retourner en arrière et de se dire « Merde, j'aurais dû parce que ça se trouve, ça m'est passé sous le nez et c'est trop tard. » Pour certains, ça va être ça la sensation. D'autres, c'est. Bah, c'est pas venu, c'est trop tard, je lâche l'affaire, je pff, tant pis, euh, c'est triste, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a clairement des gens qui ont très clairement euh, envie, là, d'avoir de, 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 une vie plutôt réjouissante. Hein. Il, y a, il y a vraiment. J'ai l'impression qu'il y a comme un, un couche un coach, à pas louper. On loupe pas le coche quoi. Voilà. Euh... Parce qu'à long terme, c'est comme si l'objectif sera obsolète. C'est comme si le truc il bon bah vous aurez soit changé d'objectif, soit il vous sera passé sous le nez, vous aurez des regrets, soit voilà. Mais bon, c'est vraiment ce que j'ai moi dans la guidance. Ensuite, conseil pour aller plus vite, est ce bien nécessaire. Vous voyez, ce n'est pas forcément des questions que j'aurais posées parce que parfois les choses prennent le temps qu'elles doivent prendre, ma foi. Et puis, et puis alors là, moi, je suis très psychologique, hein. euh, mais je ne peux pas m'empêcher de mettre ma sauce quand même. Un court terme pour euh, Tartampion sera un moyen, un moyen terme pour euh, Ginette. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on euh, n'a pas tous la même impatience, on n'a pas tous la même notion du temps. Euh, Quelqu'un qui, euh, voilà, euh... on va pas tous trouver que c'est un long terme au même, en au même endroit quoi. En, en gros, pour moi, c'est ça. C'est selon chacun. Ok, donc pour aller, je vais faire quand même le tirage jusqu'au bout. Conseil pour aller plus vite ayez confiance en vous, sachez ce dont vous avez réellement envie. Cette carte est une carte très confiante, très charismatique, très solaire, très joyeuse, très déterminée, très je sais de quoi j'ai envie. Euh... Je suis suffisamment détendue pour ne pas avoir besoin de tendre un glaive ou de voilà. J'ai ma cape, je suis je suis là, je suis, je suis présent, mais je suis bien. J'arrive je... à me détendre, j'arrive à j'arrive à à même à me, à me montrer en fait hein, d'une certaine manière. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment donc enfin euh, vous pouvez faire genre on peut pas dire ouais tiens aujourd'hui j'ai décidé que j'allais avoir confiance en moi et puis c'est génial et puis je sais tout ce que je veux faire et ce dont j'ai envie et je suis un être solaire et charismatique évidemment on n'est pas en train d'appuyer sur un interrupteur simplement euh, vous en avez la capacité vous en avez euh, les moyens il y a juste des choses qui doivent se faire dans, euh, dans l'ordre euh, dans un rythme qui est le vôtre et ça vous appartient. Il euh, y, y a une, clairement une opportunité pour cet objectif de se faire. On l'a vu. On a vu pourquoi ça déconnaît et comment ça pouvait s'améliorer. Euh, on a vu que effectivement, à un moment donné, mais si cet objectif est relâché à un moment donné, puisque c'est trop long terme, c'est que c'était pas un objectif qui était, qui était, voilà. C'est pas grave, ok. Donc, faut relativiser tout ça. D'accord C'est très important. Voilà, écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu. Ça change un peu. Euh, J'en ferai d'autres si ça vous dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça, si ça vous fait marrer d'avoir des, des tirages comme ça qui sont un peu différents. Moi, je trouve ça un peu excitant. J'aime bien sortir de la routine. Euh, donc, voilà, pour aller plus loin et évidemment de manière personnalisée, c'est les séances perso c'est sous la vidéo. Et puis moi je vous fais des gros bisous mettez des likes des des abonnements et tous les trucs comme ça parce que c'est un vrai soutien pour la chaîne quand même. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous.